il y a une place pour tout le monde dans le rugby. Et bah, cette phrase-là, ça pourrait être une phrase type pour les personnes handicapées. Et donc, à partir du moment où eux sont venus nous trouver pour dire « mais et nous, pourquoi on ne joue pas ?», j'ai dit « bon, bah, il n'y a pas de problème. On va les emmener jusqu'au bout du monde et ils vont jouer. » Ça va? Allez, ça va. T'es sûr? Il n'y a pas que les professionnels qui savent faire du rugby. Il y a aussi les handicapés adultes comme moi. On s'aperçoit qu'au travers les valeurs du rugby et tout ce que ça apporte, on l'a pu encore le voir aujourd'hui au travers le contact avec des joueurs professionnels. C'est toutes les valeurs humaines, c'est toutes les valeurs de solidarité et de partage qui sont là. Trop petit, trop grand, tu me vas comme un grand. Donc, c'est bien que le rugby permette aussi avec des gens qui sont handicapés ou qui ont des problèmes un peu de s'évader, de passer à autre chose. Et je crois qu'ils sont bien débrouillés, ils ont passé un bon moment et puis nous aussi quoi. Le plaisir on l'a trouvé. À travers leur plaisir. C'est vrai qu'eux, ils avaient beaucoup d'amis de jouer avec nous. Et je crois que c'est à travers ça, que des petits gestes comme ça, qu'on fait plaisir et qu'eux s'évadent un peu de leur quotidien. Quoi. Non, c'est sympa. Ben, j'ai été surpris par le niveau. Il y avait des investissements, il y avait beaucoup de gestes techniques. Franchement, c'était une belle partie de rugby. Jouer. L'esprit du rugby, une passion solidaire.